deux jours à Paris. Mon programme est bien rempli. Je commence par la visite de l'exposition David Perloff, cinéaste, photographe et dessinateur. Son journal filmé commence par ces mots. Mai 1973, j'achète une caméra. Je commence à filmer moi-même et pour moi-même. Le cinéma professionnel ne m'attire plus. Je filme jour après jour la recherche d'autres choses. Je cherche avant tout l'anonymat. Il me faut du temps pour apprendre à le faire. Livio, תלמיד לשעבר, מלמד אותי להשתמש במצלמה שאיני מכיר, מצלמה חדשה. בוקר טוב, אברהם. בוקר טוב. בוקר טוב, אברהם. Sans perdre de temps, je prends le métro pour rejoindre Hélène Gaudy. Elle m'emmène visiter l'atelier de son père, Jean-Charles Gaudy. Elle m'en a souvent parlé pendant sa résidence à Grandlieu. Quand elle venait à la maison, elle me disait « Il faudra que tu rencontres mon père et qu'il te fasse visiter son atelier. Je n'en dirai pas plus. Tout cela leur appartient. » Il n'était pourtant pas imaginable de ne pas mettre cette séquence dans le journal filmé. Nous en avons parlé avec Hélène. Je peux juste dire que pour elle, c'est le début de quelque chose. Là-haut, Hélène, c'est des jumeaux IBJ. Où ça? Les petits qui brillent, là. Ils sont deux oui. Par deux. Ah oui. Je versais le sable dessus. Et puis j'attendais que ça sèche. Après, je brosse pour faire partir le sable en excédent, et en général il faut une deuxième couche pour que ça soit un peu propre. Ça va comme ça? Parfait. Je crois que c'est même que ça a dû être moi qui l'avais peint comme ça, non? Peut-être. Il était rose à la base. Oui, bah, il est rempli aussi. En fait, oui, tout tombe. Attention, la tour tombe. Remets-le. Non, mais j'aurais le regardé. Ah. Attends. Oui, il faut le tenir, je crois. Non, ça me tient. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait un guide de la Sardaigne. Ah non, c'est un livre sur la Sardaigne, mais littéraire. Et là aussi, sont des sifflets africains, là. En équilibre, là, à côté de l'échelle. Et là, essaye. Voilà, en hauteur, oui. Ah oui. Ah ben, il y a une autre toile d'Hélène, là, derrière l'échelle. Ah oui. Eh ben, dis donc, il y a des trésors ici. Hein. Hélène, t'as vu ton autre toile? La petite là-haut, là. Ah oui, tu l'as celle-là, j'en avais un vague souvenir, mais alors l'autre, aucun. Ah, oui. J'avais quel âge? J'avais 10 ans. Ah, oui, c'est ma période, hein. Ma période colonne grecque. Ah, oui. Colonnes grecques? Ouais, des petites colonnes grecques à droite, à gauche. Je dessinais que des trucs comme ça, avec des temples, des machins. Allez, pour refaire. Voilà. T'as ton sac, hein? Ouais. Ah oui, il ne faut rien oublier, hein.
Le lendemain, avant d'aller retrouver Gérard Courant pour le tournage d'un cinémathon, j'ai filmé Xavier qui bricole sa guitare. Est-ce que je vais réussir à les récupérer du coup? Donc ça va être chaud ça. Peut-être avec un truc.